Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bah écoutez, bienvenue dans cette vidéo, deuxième vidéo de la série de 3 que nous avons débuté ensemble la semaine dernière. On va continuer la série aujourd'hui, on va parler de créativité. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, je vous mets le lien dans la description. Mais en fait, la semaine dernière, je vous disais que voilà, j'ai vu pendant mes vacances, où j'ai pas mal regardé de nouveau tout ce qui était réseaux sociaux, j'ai vu pas mal de vidéos, de commentaires, de posts qui disaient voilà, faites comme les pros et vous aurez des super photos. Ce qui m'a un peu amusé, donc je vous ai expliqué pourquoi dans la vidéo de la semaine dernière. Mais surtout, ce que je retiens, c'est ce que nous on sait, les amateurs, c'est qu'on aura beau essayer de faire tout comme un pro, on n'aura jamais la même image que les pros. Et donc, pour une bonne raison, la semaine dernière, on a parlé des réglages, qu'il faut s'adapter à son appareil photo, qu'il faut apprendre son appareil photo, et en fonction des conditions, faire les réglages qui vont bien. Donc ça, c'est vraiment la base. La deuxième chose pour moi qui est importante, c'est ce qui est la créativité. Alors la créativité, c'est un grand terme, je trouve, parce que tout de suite ça veut dire ouais, être innovant, faire ce que les autres n'ont pas fait et tout ça. Et je pense que c'est pas forcément ça pour moi, parce que d'abord la première phase dans la créativité, c'est créer. Et en fait, au début, moi quand j'ai commencé, j'avais cette envie un peu de vouloir répéter des choses que j'avais vues par-ci par-là. Or, le gros tort qu'on a, je pense, et surtout ça s'est accentué avec les réseaux sociaux et encore pire avec les TikTok, c'est qu'on est finalement en train de faire défiler des images qu'on regarde en moyenne pendant 3 secondes. On va s'arrêter sur une qui va nous attraper l'œil, on va la regarder peut-être un peu plus longtemps que les autres, et puis on va continuer à défiler. Et après on est sur le terrain et on se dit, bah tiens, j'aimerais bien faire pareil que cette image que j'ai vue, sauf que dans cette image que vous avez vue, dans cette image qui vous a arrêté l'œil quand vous l'avez déroulée, il y avait probablement tout un tas d'éléments que vous n'avez pas pris le temps d'analyser. Et que du coup, quand vous êtes sur le terrain, bah, vous n'arrivez pas à refaire la même image. Donc, s'inspirer des autres pour augmenter sa créativité, ça c'est super. Par contre, il faut passer beaucoup plus de temps sur les photos et il faut les analyser. Et analyser les photos, bah, ça veut dire justement regarder la composition, regarder la lumière, regarder qu'est-ce qui fait que cette image a quelque chose de particulier, ou du moins quelque chose qui vous intéresse. Parce que pour moi, c'est ça aussi qui est important. Avant, encore une fois, de vouloir plaire aux autres, il faut déjà se plaire à soi-même. Il faut que nos images, elles nous attirent. Et donc, du coup, il faut que vous essayiez de sortir de ce que vous avez l'habitude de faire, de créer des choses nouvelles et de créer des choses nouvelles qui vont vous plaire. Et c'est comme ça que vous allez commencer à progresser. Et y a pas de, pour moi, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas une règle d'or qui fait faites comme ça, comme une recette de cuisine finalement. Et votre photo va être super, non, parce qu'elle va peut-être être belle, mais elle va peut-être pas vous plaire, ou elle va peut-être être tout simplement ratée. Donc voilà pour la première partie de mon explication sur la créativité. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien sur l'appareil ici, sur le cadrage que j'ai fait, mais en fait tout autour de moi, donc je suis ici dans la forêt de Dourdan, je suis en plein dans le brouillard. Alors c'est pas un brouillard super épais, parce que je pense que j'ai une visibilité là qui est presque à 100 mètres, quelque chose comme ça. Mais vous voyez, on a quand même un brouillard qui est assez intéressant. Alors condition de brouillard dit bah forcément des lumières qui sont parfaites. Des hautes lumières dans le ciel, des basses lumières sur le sol. Mais voilà, on est dans une situation où bah, j'ai décidé de sortir aujourd'hui, j'ai décidé de faire des photos, et donc il va falloir que je m'adapte à mon environnement. Ça fait quelques temps là que je suis en train de circuler dans cette parcelle de la forêt qui est en fait en train d'être reconstruite ou réhabilitée, on va dire, par l'ONF. Mais ce qui m'a attiré, c'est vraiment ces silhouettes de chênes par-ci par-là, puisque comme vous voyez, il y en a beaucoup qui sont au sol. Là, j'ai le pied sur une souche de chêne qui est énorme. Je pense que on est déjà sur 50 cm sans compter les racines là sur le côté au moins du diamètre du chêne. Donc vous voyez, c'est quand même des chênes relativement impressionnants. La raison pour laquelle ils ont été abattus, je peux pas vous dire, mais vu qu'on est sur une parcelle ONF, j'aurais tendance à dire qu'ils savent ce qu'ils font. Et que du coup, il y avait probablement une bonne raison pour faire ça. Je sais que par ici, on a beaucoup d'attaques d'insectes, et parfois, bah, il faut faire tomber les arbres avant que ça se propage sur les autres. Alors pas forcément pour les chênes, mais beaucoup pour les pins. Peut-être une raison. Mais en tout cas, voilà. Donc on est au milieu de cette parcelle. J'ai un peu crapahuté un petit peu partout.
Et donc mon idée, c'est de prendre les chênes. Alors comme vous le voyez ici, sur la parcelle où je suis, bah il y a quand même pas mal de choses au sol. On va se positionner probablement justement sur cette souche pour être un peu plus haut. Et je vais vous montrer après ma composition, mais vous comprenez bien que inclure le sol ici dans mon image, ça va pas forcément être la meilleure des choses à faire. Donc en fait, je suis en train de réfléchir à mon image et je me dis, bah, mon image, ça va être de monter ici sur la souche et puis de prendre quelque chose, vous voyez, sur la partie haute, au-dessus des taillis. Alors, il y a toujours quelque part des arbustes qui montent un petit peu plus haut que les autres, donc qui vont me gêner. Donc, je vais m'arranger pour positionner tout ça pour qu'ensuite, dans Photoshop, ça soit relativement facile de les retraiter et de les supprimer. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Je vais essayer plutôt de mettre, comme là, je le vois, j'ai une branche en face de moi assez haute. Je vais plutôt essayer de la mettre dans la partie blanche du ciel plutôt que de couper avec l'arbre. Donc, je vais me placer quelque part ici. Je vais d'abord regarder ma composition avec l'appareil photo. Je vais me placer ici, et puis donc ensuite je vous montre les réglages pour prendre mon image et comment j'imagine mon image. Allez, c'est parti. On descend sans se casser la figure et c'est bon. Ok, alors en fait je suis monté sur la souche, mon pied lui est à côté de la souche, et comme vous avez pu voir, enfin comme vous pouvez le voir, pardon, j'ai étendu ma colonne au maximum. Et donc je vais vous montrer ce que je suis en train d'essayer de composer. Hop, c'est parti. Donc vous voyez, en fait l'image, c'est ces silhouettes en fait des chênes que je trouve super intéressant, donc sur le brouillard. Donc du coup les silhouettes se distinguent vraiment bien, c'est vraiment très 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 compliqué de les séparer tous. Et donc vous voyez un peu sur le premier plan, donc ici, cette branche là qui me gêne depuis tout à l'heure. Donc j'ai essayé de la mettre au maximum dans le ciel. Alors je vais vérifier parce que toc, elle est là sur le côté, voilà, elle est là. Ouais, je voulais la mettre dans le ciel, donc elle est plutôt bien dans le ciel. Elle coupe pas trop le chêne qui est derrière. Bon, par contre, comme vous voyez bien, il y a une autre silhouette dans le fond qui est dans le brouillard du chêne. Donc ça me gêne un peu. Mais j'ai pas vraiment trop d'autres possibilités de le faire. Du moins pas dans l'angle que je suis là actuellement. Je vais avoir bougé. Donc voilà, je vais écarter. Et en fait, ce que je veux faire, c'est vraiment avoir une image qui va être quelque chose comme ça, en fait, où je vais vraiment couper le bas. Donc vraiment une image panorama très 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 longue sur la silhouette des arbres sur le haut. Donc ça, c'est mon intention d'image. Donc pour en revenir au sujet, c'est comment maintenant j'ai vu l'image et comment je vais la créer, comment je vais la mettre en forme dans mon appareil photo. Alors au niveau des réglages, j'ai arrêté la vidéo. Au niveau des réglages, donc j'ai pris un diaphragme de f10. Je fais la mise au point sur le chêne qui est ici, le premier. Va falloir que je refasse ma mise au point parce que je pense que je viens de toucher l'écran, et comme j'ai une mise au point tactile, ça a dû le déplacer un peu. Donc la mise au point sur ce premier chêne, j'ai pris du f10. Et puis donc j'ai une vitesse du 1/40 parce que j'ai boosté ma sensibilité à ISO 400. Alors pourquoi j'ai boosté ma sensibilité, pourquoi 1/40? Tout simplement, vous voyez, je suis sur ma colonne et donc il y a quand même une certaine instabilité, donc je veux vraiment avoir quelque chose de net, parce que justement le but de cette photo, c'est vraiment d'avoir toutes les branches qui se démarquent bien sur la partie blanche du ciel. Donc du coup j'ai pas envie d'avoir de flou de mouvement, je pourrais même monter encore un petit peu plus. Mais bon, à 1/40, je pense que ça va être bon. Je vais vérifier après en prenant mon image. Mais voilà, vous avez les réglages, vous avez la composition. Je prends l'image et puis je vous la montre à l'écran tout de suite. Allez, c'est parti. Façon que vous devez travailler votre technique, vous devez aussi travailler votre créativité. Et un bon moyen de travailler votre créativité, c'est qu'une fois que vous avez créé votre image, comme je viens de le faire, celle qui vous paraît être la bonne image, que vous engage à faire, c'est à prendre d'autres images au même endroit.
Ce que je vais faire ici, c'est que je vais changer mon zoom. Donc je vais prendre un peu plus large, je vais prendre un peu moins large. Je vais tourner légèrement un peu mon appareil pour inclure d'autres silhouettes de chaîne. Et donc voilà, je vais essayer de prendre différentes images, parce qu'une fois que vous arrivez sur l'ordinateur, et ben forcément quand vous débutez, vous le savez très bien, c'est rarement qu'en cliquant du premier coup vous avez la bonne image, il faut plusieurs images. Et donc justement en prenant avec différents angles, vous allez pouvoir faire ce que je vous disais tout à l'heure, analyser votre image et vous dire ah bah tiens, sur toutes ces images là c'est celle là que je préfère et voilà pourquoi je la préfère. Et du coup c'est tout un tas de mécanismes qui vont se mettre dans votre tête. Et la prochaine fois sur le terrain, et ben vous allez vous quelque part avoir cet automatisme et dire ouais non, je vais pas prendre trop serré, je vais prendre trop large, ou non, je vais pas prendre trop large, je vais prendre trop serré. Et puis vous allez peut-être continuer à faire plusieurs images. Vous voyez toujours que mes images que j'ai fait sur la plage, je continue à faire du bracketing, même quand parfois le bracketing n'est pas utile. C'est une vieille habitude, il faudrait que j'arrive à m'en défaire, parce que bien souvent j'aime pas ces images en HDR et je reviens à travailler sur une seule image sur lequel, comme je vous ai montré sur notre vidéo des traitements Lightroom, je vais jouer avec les ombres et les lumières pour la faire ressortir. Donc voilà, mais c'est parce que vous prenez plusieurs images, c'est parce que vous testez tout ça que vous savez quelque part ce qui va vous intéresser. Est-ce que c'est une image parfaite? Ça, c'est toujours compliqué à dire. Je vous renvoie sur la vidéo qu'on avait fait entre les belles et les images, les belles images et puis les images waouh. Donc c'est toujours assez subjectif. Mais en tout cas, voilà, vous allez pouvoir continuer à travailler votre créativité et vous commencez d'abord par créer, et c'est en créant que vous allez devenir créatif. Ça paraît un peu idiot ce que je dis, mais je vous promets que c'est vraiment ça. Il faut pas oublier cette étape de la création et pas vouloir tout de suite faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, parce que c'est rare qu'on va y arriver du premier coup. Et ça, je pense que c'est un peu ce que je vois qui est oublié dans toutes ces vidéos qui vous disent faites comme les pros, parce que les pros, ils ont déjà travaillé tout ça en amont, et donc quand ils arrivent sur le terrain, il y a beaucoup de choses qu'ils font que vous voyez pas forcément dans les vidéos, mais qui savent faire parce qu'ils ont ces automatismes là et que du coup si vous arrivez, bah vous n'allez pas forcément avoir les mêmes automatismes si vous n'avez pas travaillé avant, et donc vous n'allez pas avoir la même photo. En parlant de créativité, donc comme je vous disais, là je viens de prendre plusieurs images donc avec des angles différents, je vous les mets à l'écran, et puis moi pendant ce temps là je vais bouger un petit peu plus loin, parce qu'il y a aussi une chose qu'il faut faire quand vous êtes créatif, quand vous êtes dans un environnement comme ça, quand vous avez des images en tête, bah c'est essayer de les prendre aussi sous différents angles. Je les ai pris sous différents focal, on va maintenant essayer de changer les angles pour voir si on peut pas avoir des choses différentes, parce que ce qui m'agace toujours c'est ce bosquet et cet arbre devant, donc je vais voir si je peux pas me tourner un peu et puis l'éliminer pour avoir une vue probablement un petit peu plus nette. Allez c'est parti, je vous laisse regarder les images et puis pendant ce temps là moi je bouge en droit. Je suis en place pour ma nouvelle série d'images. Alors quand je dis créatif, c'est créatif en photo, mais parfois il faut aussi être créatif comment on s'installe pour prendre une image. Donc en fait je me suis mis sur ces troncs qui ont été coupés. J'ai réussi à installer mon pied sur les troncs d'arbres, quelque chose que je vous recommande pas. Alors ce que je peux faire, pourquoi je peux le faire moi avec le mien, c'est parce que j'ai des petits pics sur les pieds, et donc les petits pics ça m'aide vraiment à stabiliser le pied. Néanmoins bon, il est stable, mais on va dire qu'il faut mieux rester à côté et le tenir pour éviter la catastrophe. Bon, je suis chanceux aussi aujourd'hui, il n'y a pas de vent. Mais on va revenir sur la créativité de l'image. Donc je vais vous montrer là ce que je suis en train de photographier. Donc je me suis tourné, je me suis mis plus haut. Et donc ici en mettant plus haut, en me tournant, j'ai beaucoup moins de bosquets qui me gênent sur le bas. Donc je vais vous... Alors attendez, je vais supprimer l'histogramme déjà pour que vous voyez un petit peu mieux l'image. Ouais, voilà. Tac, vous voyez en fait qu'il y a un tronc d'arbre. C'est ce pic que vous voyez quelque part ici là, qui lui a été coupé. Et puis donc on a les profils des chaînes et puis on a les chaînes dans le brouillard dans le fond. Donc je trouve que j'ai quelque chose de sympa. Ici je vais pouvoir, je pense, garder le bas parce que j'ai pas trop d'arbustes qui viennent empiétrer sur les chaînes. Donc je pense que je suis plutôt bien. Alors juste avant, en fait, j'étais d'ici, j'ai pris un autre panorama beaucoup plus grand. Donc je vais vous le mettre à l'écran là en même temps que je suis en train de discuter pour que vous puissiez voir l'image.
Mais au fur et à mesure que j'étais là, je me suis dit, bah voilà, je peux isoler ce chêne, j'en ai un autre sur le côté, et puis tous les autres qui disparaissent dans le fond, et puis finalement, ce chêne cassé, coupé, qui est en plein milieu, qui rappelle justement un petit peu le fait que, bah voilà, on est dans une forêt qui, quelque part, a souffert, et donc une forêt qui est en train de à la fois d'être régénérée par l'ONF, et puis qui, malgré tout, a des spécimens qui continuent à grandir tout seul. Donc voilà, c'était un peu l'histoire autour de mon image, parce que l'histoire, c'est toujours aussi important dans son image. Mais voilà en fait comment je veux faire ma composition. Donc on va cadrer large comme vous pouvez le voir. Alors ça s'est coupé, mais j'ai cadré assez large. Donc là il va falloir que je vois si je coupe un peu trop près sur le haut du chêne. Donc on va probablement essayer de remettre un tout petit peu. Alors là j'ai un peu de mal à tourner ma bague avec les gants. Hop, dans l'autre sens. Ouais, voilà. Alors en fait, vous voyez, c'est exactement ça. Ce qui me gêne, c'est que j'ai l'arbre sur le côté. Donc j'ai la chance d'avoir un ciel relativement uniforme. Donc je pense que je vais le cloner et puis le faire sortir de mon image, enfin, artificiellement, ce chêne sur le côté en haut à gauche, parce que ça me gêne un petit peu. Mais en tout cas, on va rester sur ce genre de cadrage assez large, parce que je veux pas couper non plus le haut de mon chêne. Alors je vais quand même essayer de recadrer un tout petit peu. Toc, là je suis bien. Alors je suis bien, mais en fait comme j'ai le brouillard, j'ai les indications qui me gênent. Je vais quand même zoomer parce que j'ai un peu peur. J'ai un peu peur de... Ah, punaise. Alors c'est ça c'est l'inconvénient. Ah bon, là j'ai pris une photo. Hop, c'est l'inconvénient d'être mal installé, c'est qu'on pousse un peu sur tous les boutons. C'était pas encore le bon. Allez, on va y aller. On va y aller. Non, bah, je suis bon. Je suis bon. Donc là, pas de souci. Hop. On va juste remettre le curseur pour la mise au point. Donc sur le tronc, ouais, voilà, il est à côté. Je l'ai ramené. Hop, on va le mettre ici. Donc vous voyez que mes réglages, j'ai pas changé grand chose par rapport à tout à l'heure. Du F10, du ISO 400, alors je suis passé au 1/30. Alors en fait, pourquoi? Je vais vous montrer ça avec l'histogramme. Donc vous voyez, j'ai collé mon histogramme vraiment à droite sans avoir trop de haute lumière. Donc là, c'est vrai que je crois que ça quand même, voilà, en fait 1/40, donc là il est collé sans trop de haute lumière. Et j'ai peur qu'à 1/30, par contre, tout à l'heure, ouais, je commence à être limite. Donc on a vraiment un pic là-haut qui dépasse sur les hautes lumières, mais c'est normal. Donc je vais prendre quand même les deux images. Donc vous voyez, on en revient sur ce que je disais tout à l'heure. Il faut quand même prendre beaucoup de choses pour voir les choses qui nous attirent le plus. Je suis quasiment persuadé que le 1/30, ça va être l'image que je vais garder. Mais en tout cas, je vais la prendre aussi au 1/40 pour moins de risques. Et puis bah, je vous laisse regarder les images à l'écran. S'arrêter ici pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc vidéo aujourd'hui avec pas beaucoup de photos, on va dire différentes dans ce que j'ai photographié, différentes dans la façon dont je les ai photographiées. Et donc la créativité pour moi, ça passe par là, ça passe par étudier un sujet, le photographier sous différents angles, revenir à la maison, prendre les photos, les analyser, comprendre celles qui nous plaisent, celles qui nous plaisent pas, pourquoi elles nous plaisent, pourquoi elles nous plaisent pas. Et c'est comme ça qu'on va continuer à travailler sa créativité, que comment de la création on va passer à la créativité. Une autre chose que je voulais partager avec vous juste avant de conclure cette vidéo, ce matin quand je suis sorti, je me suis dit brouillard, je me suis dit froid parce qu'il gèle là en ce moment, et donc je me voyais tout de suite dans ma tête le gel sur les feuilles, je voyais un peu toutes ces arbres séparés en fait par un brouillard relativement épais, donc ce côté un peu mystique de la forêt.
Et puis je suis arrivé et le brouillard il est beaucoup moins dense que ce que je pensais. Finalement, à part la neige qui reste ici sur quelques endroits, il n'y a pas vraiment d'eau qui s'est déposée sur les feuilles et donc de givre et de gel qui s'est déposé sur les feuilles. Donc en fait, je suis arrivé et tout ce que j'avais en tête, tout ce que j'avais pu penser, préparer la veille, ça a l'air complètement inutile. Et donc c'est là en fait où c'est super important de malgré tout se dire voilà, je suis arrivé, je continue, je me suis baladé, je vous promets que j'ai probablement passé plus d'une demi-heure, trois quarts d'heure à tourner comme je vous l'expliquais dans cette parcelle avant dans un autre coin de la forêt, ici en forêt de Dornan, je la connais bien, pour essayer de m'imprégner de l'endroit, de regarder ce qu'il y avait et puis de trouver des compositions. Et finalement j'ai trouvé ces silhouettes des chênes relativement intéressantes et c'est là où j'ai commencé à me dire ok, c'est ce qu'il faut que je photographie et comment je peux les photographier. Et voilà, et on en est arrivé à prendre une photo un peu en équilibre sur des troncs d'arbres. Mais je pense que pour travailler la créativité, ça c'est super important, c'est de jamais se décourager. Quand vous êtes arrivé pour prendre de la photo, et ben même si vous aviez des idées de photos et qui ne peuvent pas se réaliser, continuez à photographier quand même quelque chose et à créer quelque chose, et vous allez pouvoir l'analyser, vous allez pouvoir en fait progresser comme ça. Voilà, et puis bah forcément quand vous sortez, vous arrivez sur un autre sujet que j'évoque relativement souvent, si ce n'est dans toutes les vidéos, toutes les semaines, c'est l'expérience. Et donc ça va être le sujet de la troisième vidéo de cette série pour la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche, une bonne semaine, mercredi pour le tuto Lightroom Photoshop, dimanche prochain pour la troisième vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à la partager, à la commenter. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles expériences photographiques. Bonne semaine à vous, au revoir.